Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a un plaisir, on l'a fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtienne. Et nous allons voir quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité dans le pays Venezuela, manifestation anti-gouvernementale violente continue environ 48 heures après l'élection présidentielle qui bat président Nicolas Maduro vainqueur sous Edmundo González. Actualité dans la région Moyen-Orient, l'armée israélienne fait connaître l'imène offensive aérienne et l'autre type opération côté li attaqué plusieurs cibles Hezbollah dans 7 zones dans le sud Liban. Et puis dans le pays d'Haïti, nouveau développement à débat juridique et politique devant scandale corruption qui touchait 3 membres conseil présidentiel transition. Et puis Jeux Olympiques Paris dans le pays de la France a continué en bas en pile chaleur et 3 athlètes haïtiens déjà éliminés. C'est point ça yo avec l'autre encore nous va le développer pour dans yon petit moment dans pays d'Haïti gen police nationale là qui bayon bilan sous état d'urgence sécurité a nous gen sous place Steven Aristide n'a gen pour rétablir contact avec pita dans programme nan. Mais gros point dans actualité internationale là c'est opposition dans pays Venezuela qui continue à manifester contre ça aurait les victoires et Maduro dans élection qui s'est passé là yo dimanche qui s'est passé là. Nous avons Jean-Aubert Philippe cap suivre de très près pour nous dossier ça. Jean-Aubert Philippe gan pile réaction qui continue à tomber et après ça conseil électoral a dit que c'est Nicolas Maduro qui a remporté la victoire. Oui, j'en dis à la clé en pile réaction et surtout excepté Moscou qui lui-même tablé d'accord avec les résultats de l'élection. Mais on a dit que pendant ce temps, manifestation qui a déroulé un peu partout au Venezuela, mais débouché sous et 4 personnes mourir pour Bibiti, il y a plusieurs centaines d'autres personnes que la police a arrêté, il y a 48 personnes parmi les forces de l'ordre de Turquie qui ont même blessé. Et puis, le président Nicolas Maduro lui-même lui dit, il m'a dit, supportait pas lui, puis il descend sous béton en tout prix, contre le et manifestation qu'a fait ton gouvernement lien. La population en Venezuela a organisé un conseil casual dans plusieurs villes pays pour exprimer des accords avec résultat élection qui bat le président Nicolas Maduro y a un autre mandat jusqu'en 2031. D'après l'institution électorale, le président Maduro prend 51% voix alors que l'opposition lui-même qui dit c'est lui-même qui remporte l'élection avec plus passé 70% voix devant Maduro qui lui-même t'a ramassé entre 14 à 31% voix. Ça a déclaré ma bataille pour la démocratie pays. Je vole. Non, mais nous, à cause du président Maduro, commet génocide dans le pays. Nous devons goûter pour la démocratie pays. Observatoire conflit Venezuela estime que 187 manifestations dans 20 États pays. Président dans le quartier, un quartier dans la capitale, là, Caracas, qui est une base chavistas et qui en faveur du gouvernement manifesté contre les résultats de l'élection. Ça a déclaré, moi sorti dans la rue, nous voulons changement, nous fatigués avec le gouvernement ça, nous voulons changement, nous voulons libre dans Venezuela, nous voulons famine, retourner ici là, nous parler de quitter le pays encore. Dans le capital d'État Falcon, manifestants qui étaient en colère, déchouqués ont sorti défunt président Hugo Chavez après institution électorale là, fin proclamé président Maduro remporté l'élection. Dans quelques autres zones, manifestants ont attaqué garde national, la guerre soldat yo à terre, ba yo quelques coups de bâton et puis saisir motocyclette avec bicyclette yo. Ta película la conocemos. Il y a un message télévisé président Elian Nicolas Maduro mettait devant peuple là, depuis palais national Miraflores là, et bien il dit gouvernement connaît façon pour gérer protestation anti-gouvernement qui a déroulé dans tout pays et il connaît qui gens pour combattre violence. Président Elian a déclaré c'est un groupe extrême droite qui t'a chauffé tête manifestant contre pouvoir. Communauté internationale a exprimé inquiétude après publication résultat. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken bat bravo pour l'électeur pendant d'y exprimer doutes sur résultat. C'est même situation nous joignons pour gouvernement étranger tant qu'Argentine, Mexique, Guatemala, République Dominicaine, Chili. Porte-parole secrétaire général des Nations Unies Stéphane Dujarric déclaré secrétaire général là quoi toute décision t'a dû déboucher sur solution pacifique pendant qu'il lance appel à tous les leaders politiques avec support pour mettre de l'eau dans le divin et puis éviter de craser et briser. Pendant qu'il prend note sur quel sauté les leaders politiques avec la communauté internationale la gagne après publication résultat.
Département élection dans l'organisation État américain a organisé une session extraordinaire mercredi 31 juillet a déclaré qu'il n'est pas capable de reconnaître le résultat de l'élection qui dit que c'est le président Nicolas Maduro qui vainquait l'élection dimanche. Le président Maduro a déclaré hier lundi que le système électoral Venezuela est transparent, qui donc lui fait toute bagaille claire. Porte-parole criminel Dimitri Peskov déclaré mardi 30 juillet, nous remarquons l'opposition n'a pas voulu accepter défaite li. Mais nous croyons l'opposition a dû complimenter vainqueur élection dimanche là. Jovel Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis dans le pays d'Haïti, il y a un leader politique qui réagit par rapport à l'élection Sayo et il bat bravo pour victoire, ça t'a considéré comme victoire, Nicolas Maduro dans l'élection qui se passait là dans le pays Venezuela. Oui, dans Toussaint, c'est correspondant de Port-au-Prince. Président Nicolas Maduro qui était candidat pour propre réélection dans l'élection dimanche 29 juillet 2024, là, réélu pour un troisième mandat consécutif dans notre pays, Amérique latine, ça, Venezuela. Professeur Camille Chalmers, président structure politique Racine Camp Peuple, attribue victoire ça à tout peuple capgoumen contre saluer les impérialistes. Nous saluer extraordinaire victoire ça, dans des conditions extrêmement difficiles. Faut nous saluer courage peuple vénézuélien qui, malgré tout ce que vous faites pour saboter le processus socialiste, n'a pas réussi à écraser. Et nous certains que pas réussi Brésil et nous pensons que victoire ça que peuple vénézuélien remporté face à l'impérialisme américain sont victoire qui a inspiré tout peuple qui veut construire indépendance, autodétermination, prospérité et dignité la caillou. Mais opposition a contesté résultat élection ça yo. Conseil national électoral CNE déclaré Nicolas Maduro vainqueur élection yo avec 51.2% vote yo côté 5,15 millions électeurs votés pour lui, et puis 44,2%, soit 4,5 millions électeurs votés pour candidat opposition. Edmundo González Ulitia, opposition, dit, y a une preuve que Nicolas Maduro perdu élection. Yo, professeur Camille Chalmers répond pour le dire. Il a été préparé toute offensive pour dire que l'élection, ça a été des élections frauduleuses. Et c'est offensive ça qu'on a passé aujourd'hui, hein, côté que ils ont utilisé tout un ensemble de médias, tout un ensemble de réseaux en ligne, etc. Et avec l'appui de tout un ensemble de gouvernements d'extrême droite, notamment le gouvernement argentin de Milei, pour être capable d'essayer de délégitimer l'élection. Ils ont fait ça déjà. En 2018, l'élection présidentielle qui était portée Maduro au pouvoir, qui était renouvelé mandat Maduro en 2018, ils ont déjà fait ça. Okay? Malgré le fait que tu as gagné plusieurs centaines, parce que, par exemple, face à près de 900 observateurs internationaux, et toute la presse était présente, qui confirmait que c'est des élections propres, des élections qui faites dans le respect de la volonté collective du peuple vénézuélien. Professeur Camille Chalmers dit, système électoral Venezuela, c'est système électoral qui est plus fiable, qui est plus crédible à travers le monde. Il dit, sénateur reconnaître ça. Il souhaitait n'importe journaliste à enquêter sur ça. Où est-ce tout ça? Pour VOA Creole, Port-au-Prince. Donc, réaction continue à tomber, cap sorti dans la communauté internationale là, et tant que Jean-Robert Philippe Sodil, dans plusieurs pays, les candidats pour côté, eh ben, yo a posé question, y a questionné résultat élection qui baille président Nicolas Maduro vainqueur dans élection ça pour l'aller joignon l'autre mandat 6 ans. L'autre point dans actualité a, nous pral dans région Moyen-Orient, côté l'armée israélienne fait connaît, eh ben, li mené offensive aérienne. Mais d'abord, nous pral dans actualité électorale là, ici aux États-Unis, côté Liz Nomoun qui candidat pour Tavin et candidat pour vice-président Kamala Harris là, eh ben l'a diminué. Kamala Harris a réfléchi sous yon liste qui gen la donne yon paquet garçon blanc. Détail avec Valérie Saint-Louis. Lis candidat pour accompagner Kamala Harris lui-même comme candidat démocrate dans l'élection présidentielle États-Unis, t'es vin réduit hier lundi avec gouverneur État Caroline du Nord Roy Cooper et gouverneur État Michigan Gretchen Whitmer qui yon tous deux sorti dans liste là. C'est une décision qui gagne gros enjeu depuis que vice-président Kamala Harris a eu plus chance pour lui joindre nomination officielle Parti démocrate là pour élection novembre. Depuis tout que gagne une crasse plus passé une semaine de ça que président Joe Biden lui-même a retiré col dans course là pour Maison Blanche. Candidat pour vice-président Kaitil dans course électorale là pour balancer ticket candidat pour président.
selon façon que yo ka fait appel à yon électorat qui pillage. C'est comme ça dans moment que Kamala Harris a réfléchi sur une liste candidat qui surtout gen la donne garçon blanc. Roy Cooper te retiré tête li dans liste candidat vice-présidentiel Kamala Harris là. Il te dit dans une déclaration hier lundi, n'a cité, moi t'ai honoré que t'ai considéré pour rôle ça. C'est juste pas un bon moment pour état Caroline du Nord. Et puis pour moi potentiellement sur un ticket pour élection à niveau national. Toujours même hier lundi, beaucoup te parle gouverneur état Michigan, Gretchen Whitmer, te dit dans émission CBS Mornings que le pas fait partie dans processus choix pour t'accompagner candidat Kamala Harris dans la course électorale là. Kamala Harris te prend un petit repos dans la campagne li dans week-end ça et puis il te fait conversation privée avec plusieurs dans candidats autant que gouverneur Pennsylvania Josh Shapiro d'après sous qui habitué à Capel ça yo. Gen l'autre monde cap considéré pour candidat vice-présidentiel là. Moun koué gouverneur état Kentucky Andy Beshear, sénateur américain Mark Kelly dans état Arizona, gouverneur état Minnesota Tim Walz avec secrétaire transport public là Pete Buttigieg. Candidat ça, yon te marché parler dans plusieurs stations télévision à travers pays ya, puis yon montré ça que yon kapouté dans campagne là. Secrétaire transport public là, Pete Buttigieg, considéré même non parmi alliés liyo, comme yon moun ki ta kagen plus chance. Li te parlé avec Kamala Harris en privé sous opportunité ça, d'après des sources qui habituent à événement ça. Secrétaire transport public là, te fait tout yon appel à un groupe donateur qui te supporté dans la présidentielle 2020. Côté que le dit que li intéressé pour ta vice-président, mais tout que le pral respecté pour ses choix. Selon ça que source information ou te dit. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Donc, 2024 sont années électorales ici aux États-Unis. T'as qu'on te dit, nous parlons en région Moyen-Orient, côté l'armée israélienne, fait qu'on est que l'immenée offensive sous zone qui gagne Hezbollah, la donne surtout dans le sud Liban. Sandra Lemaire, gagne détail. Une frappe israélienne contre banlieue sud, ville Beyrouth, capitale Liban, mardi, ciblée sale opération groupe militant Hezbollah, d'après ça, trois responsables replacés, agence sécurité pays Liban, dit Reuters. D'après nouvelle, frappe là, t'es ciblé Moussin Shouker, que nous connaissons comme Fouad Shouker. États-Unis t'es imposé sanctions contre Fouad Shouker dans l'année 2015. Israël accusé monsieur d'être que l'irresponsable pour une attaque à missile contre Mon Golanyo qui touillait 12 timoun à teenager. Gain deux sous-sécurité libanais qui dit Reuters, monsieur survive attaque là. Agence nouvelle Reuters cité aux sous-sécurité qui dit gagnait une dame qui mourit et puis sept autres blessés dans attaque là. Pendant ce temps, États-Unis dit qu'ils peuvent continuer à poursuivre diplomatie pour éviter conflit entre Israël avec Hezbollah et papiller Pipis. We're continuing to work towards a diplomatic resolution that would allow Israeli and Lebanese civilians to return to their homes and live in peace and security. Porte-parole Vedant Patel dit journaliste, solution diplomatique là t'a permettre civils israéliens et libanais tourner la caillou et puis vivre dans la paix et sécurité. De l'autre côté, la Russie déclarait attaque Israël lancée contre Liban, c'est une violation loi internationale. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer l'actualité dans le pays d'Haïti dans un petit moment. Ou toujours sous VOA Creole, n'a pas mettre depuis Washington DC, tant que nous t'a annoncé, nous parlons dans l'actualité dans le pays d'Haïti, et bien, gagné la police nationale là, qui fait que ce bail en conférence pour la presse là, côté que le présenté, yon bilan sous état d'urgence sécuritaire, nous gagnons sous place, et correspondant nous, Steven Aristide, et Steven, ça qui sortit dans la conférence de presse là, ça nous capable de retenir. Bonsoir Jacqueline Belizer, bonsoir Jean-Marc Hervé Abela. Et au lieu d'une conférence, c'est un point de presse lié parce que DGPNH là, nos mille rameaux, n'avaient pas grand question. Ils juste fin bail salgué pour le bail comme bilan et puis l'y aller. On aurait essayé d'aller pour nous capables d'attirer attention tout le monde qui suivre la voie de l'Amérique, qui ça qui est plus important dans ça, DGPNH là, nos mille rameaux, t'es dit aujourd'hui. Il fait un bilan sorti 4 juillet pour arriver aujourd'hui, côté le fait qu'on est dans le département de l'Ouest avec Artibonite, il y a 104 bandits qui stoppés et dans quoi des missions. Il y a 27 bandits, quoi des missions qui sont dans la commune et dans la zone de la commune, quoi des bouquets. Il y a 27 bandits qui sont stoppés. Dans le tabac, il y a un Uzi, deux fusils 12, 18 caisses et cocktails Molotov. Et ils ont saisi
Yon lot bo pou nan département Atibonite, li fè konnen la police arrêté 49 moun, parmi yo gen 4 nan yo ki se pou drogue avec zam illégal. Et nan même intervention ça, li fè konnen que la police arrêté environ 65 moun nan département Atibonite lan, gen plusieurs nan yo ki gen transféré bay la justice. PNH la saisi 19 zam nan département Atibonite lan, gen 7 machines yo confisqué, gen 5 évadés de prison yo récupéré. C'est ça nous capable dire en gros. Et puis il était passé sous dossier hier à ça qui passait dans l'hôpital général. Donc, capable de dire en théorie, Saint-Honoré avec Monseigneur Guillou. Il fait qu'on est, ça qui était passé hier, pas aucun rapport ensemble avec attaque gang. Et il fait qu'on est, situation sous contrôle, la police avec les policiers kenyaou. Yon l'autre bon, dans le même point de vue, ça, li et mandé population toujours sous des mariages population avec les policiers qui commencent par les résultats. Et ces bilans, ça, li baille aujourd'hui dans le point de vue dans des GPNH. Merci Steven Aristide. Steven Aristide était sous place dans l'occasion point de presse que DGPNH la baille sous état d'urgence sécuritaire. Et concernant l'incident qui arrivait hier pendant que le Premier ministre Gary Conin était dans l'hôpital général, on a bien pour nous retourner sur les. Mais nous voyons un gros dossier qui continue à dominer l'actualité dans le pays d'Haïti, c'est dossier corruption ça. Côté conseil présidentiel a annoncé que gain une enquête qui l'ouvrit pour capable faire lumière sous scandale corruption ça qui touchait 3 membres dans conseil présidentiel transition hein. Nous gain sous place Yves Manuel. Pendant que tu prends la parole dans la 47e session chef l'État à gouvernement pays CARICOM, le président conseil présidentiel transition, Edgar Leblanc-Fils, abordait question corruption dans BNC qui impliquait 3 membres dans CPT. Monsieur Leblanc soulignait gon enquête qui l'ouvrit dans ce sens pour capable faire lumière sur ce scandale. Président conseil présidentiel transition, de l'autre côté, mette fin à toute critique qui a joigné comme quoi l'État ignorait scandale corruption ça, président BNC a dénoncé et qui impliquait 3 conseillers présidentiels. Pendant temps ça, yon nan conseil Neo Smith Augustin, pendant la sorti dans pays la France, voyait jeter allégation ça yo comme quoi li même ak deux autres conseillers présidentiels t'a exigé bon côté président BNCA 100 millions goud pour yo capable conserver dans poste li. Ancien ambassadeur d'Haïti en République Dominicaine nan dit pas gagné pour loué ak dossier ça et il mandé preuve. Moi même pas gagné pour moi le grand moins non question comme ça. Mais je vous dis, monsieur, et la réponse pour que les gens qui accusent nous, nous-mêmes, nous des preuves, et si nous avons des preuves, nous prenons des mesures que la loi nous voit pour ça. Toujours dans le cadre dossier, hein? Président conseil administration Banque Nationale Crédit Raoul Pierre-Louis qui te doit répondre question enquêteur ULCCO Jonay Madian mandé un report li expliquer li pa ka répondre question enquêteur ULCCO Jean ça te prévoit il mandé dans sens ça un délai une semaine pour le capable préparer demande ça fini dans un moment côté dossier a suscité en pile réaction tant bon côté médias sociaux que médias traditionnels. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et toujours sur le même dossier, nous parlons de Massia Deauville, qui lui-même gagne l'autre développement, toujours concernant scandale, corruption, ça, dans le Conseil présidentiel transition. Quatre dossiers ça qui opposait président conseil administration BNCA, Raoul Pierre-Louis, avec 3 membres conseil présidentiel transition. Avocat qui a défendu conseiller président Emmanuel Vetiler, M. Anel Rémy, dit pas qu'il y a aucune décision juridique qui est capable de prendre contre accusé. Ces messieurs, vu leur statut et leur rang, ne peuvent être poursuivis en justice, malheureusement. Parce que nous parlons agent de la fonction publique, ou qu'à évoquer un agent, ou qu'à blâmer un agent, mais eux-mêmes aussi des hauts fonctionnaires. Est-ce des hauts fonctionnaires, seul ce qu'on a fait, c'est destituer. Et pour destituer, c'est à travers une juridiction qui est la haute cour de justice. Je ne vais pas dire que je légitime les cas de corruption, non, à travers ça m'a fait. Mais l'article 4, décret pour la création du CPT, et Massado Anadadadan, le jour, les conseillers présidentiels jouissent des prérogatives spécifiques attribuées à un président élu. C'est-à-dire, même si je retraite un président élu, je pense à traiter le conseiller présidentiel. Même l'homme t'a dit dans le décret, le conseiller présidentiel n'est pas un haut fonctionnaire. Pas le problème encore.
ni pas conforme à l'article 187 de la Constitution. Audition président conseil administration BNCA Raoul Pierre-Louis qui était prévu pour jeudi mardi 30 juillet 2024 là devant enquêteur ULCCO reporté pour une semaine. D'après sa nouvelle rapportée, c'est avocat président conseil administration BNCA M. Sonès Saint-Louis qui écrit directeur général ULCCA Hans Joseph pour demander le renvoyer audience là à cause de pas disponible pour accompagner client li. Coalition nationale s'y a été accord 11 septembre avec 21 décembre qui pote tout si pour bay représentant strict si ça conseiller président Louis Girard Gilles qui gagne cité dans le scandale corruption ça dit parti civil la pas gain argument pour prouver accusation li. Nous va égaler, nous va imbécile. Attends, tout est agile. Car les camarades, ça, d'abord des 100 millions de gouttes, voyez ça, nous t'attendons. Plusieurs juristes qui réagissent sous dossier ça, fait qu'on est, c'est celle aux décisions administratives qui est capable de prendre contre trois membres conseil présidentiel transition. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Massa Dovinme pour VOA Créole. Merci, Massa Dovinme. T'as qu'on te dit, là, pour retourner sur incident qui arrivait dans la zone de l'hôpital général, dans le moment que le premier ministre Guy Conning était en dedans. Nous, pour aller rejoindre Steven Aristil, qui gagne détail. Lundi 29 juillet 2024, le Premier ministre Guy Conning a gagné avec lui des GPNH Normil Rameau, à commandant force multinationale support et sécurité à Godfrey Hunting. Pendant l'État fait une deuxième visite évaluation dans l'hôpital général. Pendant la visite, si le Premier ministre Guy Conning était accompagné à quelques journalistes CNN qui devaient couvrir l'activité. Si dans une autre équipe communication, mission support et sécurité à Météo, il fait qu'on est. Dans la fin interview Premier ministre, il y a eu quelques détonations. L'agent de sécurité a été obligé de tirer pour capable faire couvrir le ministre à sortir. Dans même note, l'équipe communication MSS l'a fait qu'on est. Il est arrivé localisé côté Bibal, il a été sorti et il a été pacifié zone. Il a continué pour dire l'hôpital général toujours sous contrôle de la police à contingent mission support et sécurité. Toujours dans même communiqué, il a fait qu'on est. Pas de aucun mort ni blessé qui est enregistré, ni bon côté PNH, ni bon côté mission support et sécurité. Après l'événement, nous avons été contacté avec mon équipe communication mission support et sécurité pour demander au qui l'est avec un autre contingent qui privé. Yo fait nous connaît, il a préparé pour capable recevoir nouveau groupe policier jamaïcain qui supposé venir renforcer effectif là. Mais yo pas en mesure pour communiquer aucune date que ça a fait. Steven Aristil pour VOA Creole depuis Port-au-Prince Haïti. N'après toujours dans pays d'Haïti côté autorité dans pays la Jamaïque voyez tourner en Haïti 35 compatriotes haïtiens qui t'a tenté rentrer illégalement dans le pays Jamaïque. C'est Gadkot Okai qui te recevoir et compatriotes ça. Un reportage Jean-Ernst Eliscar depuis Ville Okai dans le département Sud-Pays. Autorité jamaïcaine retourné en Haïti 35 haïtiens qui t'a tenté rentrer illégalement dans le pays Jamaïque. Parmi moun sa yo, gen yon ti moun 5 femmes ak 29 garçons. Se Gadkot nan Okai ki te recevoir 35 compatriotes sa yo sou waf Okai. Kek nan depote yo te bay rezon te pousse yo ki te peyi ya nan kondisyon sa. Mwen ta pou ki akwe de sityasyon ou pat bon, nou fon konflikta nan Okai, se yon fè la mte. Mwen ki ta iti divichi di swa a minui, nou fè vantriti, nou fè salmisi, nou fè dimanche matin, al nivè dimanche jamayi. Oui, à cause de nous quitter le pays, parce que nous sommes jeunes, nous sommes dans nous là, tout fini l'école, nous allons gagner. Pour nous faire, nous sommes malheureux, nous sommes malheureux. Et papa, tout comme vous avez un moyen possible que tu aies aidé nous à faire ça. Donc nous, je nous en côté pour nous faire des goûts, nous choisissons. Quitter le pays, nous allons nous quitter. Ok, mais qu'on y a pas de nom quoi? Mais moi, je pas. On va encore une autre. C'est pas pour tourner avec ses bottes. Napsiale, c'est pas la première fois Gadkot nan Okai recevoir haïtien autorité jamaïque yo déporté en Haïti qui t'a tenté rentrer illégalement dans pays Jamaïque. Compatriote haïtien sa yo qui sorti nan Ansdeno département Grand-Anse pas écarté possibilité pour reprendre la mer si situation yo pas changé. Jean-Ernst Eliscar, VOA Creole, Okai.
Merci Jean-Ernst Eliska, ou toujours sous VOA Creole. On suivi un programme dans langue créole haïtienne et gros événement dans question sport pour période là, c'est définitivement Jeux Olympiques qui a déroulé dans ville Paris, dans pays la France son jeu qui ouvert depuis 26 juillet qui s'est passé là en bas gros la pluie et avec tout sabotage qui était là-dedans, mais joie là continuer médaille a tombé bien que et haïtien pas vraiment fait belle figure. On a l'air ça plus près. Quatrième journée Jeux Olympiques Paris déroulé jeudi en bas en pile chaleur après que la pluie t'ait marqué cérémonie ouverture là. Quelques résultats dans football dans groupe B, Maroc calé Irak 2-0, Ukraine fait match nul 0-0 avec Argentine, dans groupe C, Égypte calé Espagne 2-1 et puis match nul 1-1 entre Ouzbékistan et République Dominicaine. Dans basketball, la France calé Japon de justesse 94-90 avec deuxième victoire ça, la France t'a doué qualifié pour quart de finale. Et puis pour Haïti, trois athlètes haïtiens déjà éliminés, Alexandre Grandpierre dans natation, Lindsey Brown dans gymnastique et puis Philippe Metellus dans judo. Et puis dans le tableau médaille, Japon premier avec 7 médailles d'or, son total de 13. Immédiatement après, en deuxième position, la Chine qui gagne 6 médailles d'or, son total de 14. La France, pays organisateur, en troisième position avec 5 médailles d'or, son total de 17 médailles. Australie en quatrième position avec 5 médailles d'or, même genre à Corée du Sud tout, qui gagne 5 médailles d'or. États-Unis qui gagne plus quantité médailles, il t'a supposé en tête, mais c'est pas ça. Il gagne 20 médailles au total, mais avec 3 médailles d'or, 8 argent, 9 bronze, donc li en 6e position. Donc Jeux Olympiques ça qui commençait 26 juillet qui s'est passé là a fini le 11 août. Li gagne 329 compétitions, jodi a qui 30 juillet gagne 22 compétitions qui nan programme nan. Et puis dans la question classement et médaille, c'est yo parti à partir de médaille d'or. C'est ça qui fait qu'on paye aux États-Unis qui gagne 20 médailles. Mesdames Noyo. C'est comme ça, match dans l'occasion Journée internationale Femmes Noires, Amérique latine et Caraïbes ont commencé dans São Paulo. Il y a environ plusieurs milliers qui ont pris la rue pour dénoncer négligence d'État, discrimination sociale, raciale, acte de violence, Femmes Noires et Wapsibi au Brésil. D'après Mesdames Yo, match ça, c'est une façon pour faire autorité autant des voyous, exiger respect loyaux. Quelques parmi eux, t'es parlé dans le micro, VOA Creole. L'exclusion sociale là, dans le Brésil, les gens race, les gens gens, mais c'est nous-mêmes femmes noyaux qui sont les principales victimes d'inégalité dans le Brésil. Assoyez nous pral marché, nous continuons à résister pour bâtir une bonne vie pour peuple noir, pour petit nous et frère nous. Mais ça, c'est un moment pour nous reconnecter, c'est un moment pour nous parler de ce que la société nous voulait. On a fait remarquer que c'était l'occasion pour demander pour les femmes qui ont droit à voter sans qu'elles sautent au Brésil. Je suis Jean-Baptiste, VOA Creole, São Paulo, Brésil. Merci Chesley Jean-Baptiste et c'est avec reportage Chesleya depuis Brésil que n'a mette fin dans programme là pas oublier que nous gagne Jeux Olympiques que n'a suivre nous avec équipe américaine basketball live avec monsieur font démonstration on va tête chargée avec monsieur LeBron James en tête et tout l'autre monsieur yo Steve Kerr et l'autre yo et ben c'est un gros bagaille et négoté déjà dit que on va courir avec compétition ça et nous t'es quand même ouais et vice-président PIA la Harris qui t'a visité monsieur en vanyoté déplacé. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme. C'est un plaisir. Comme d'habitude, pour nous te servir, nous remercions Franklin qui était avec nous. Je connais Chang Wang qui était avec nous. Bons amis pays d'Haïti. Et puis Jean-Marc Hervé Abela qui sont bons amis pays d'Haïti. Tout. Non, monsieur, c'est Haïti natif natal. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Moi, c'est Jacques Belizer. Je vais casser rendez-vous avec nous et pour deux. Mais pas oublier que nous, dans toute plateforme, nous allons la consulter pour capable de dernières nouvelles qui tombent. Moi, c'est Jacques Belizer. Bonsoir. We'll be right back.
et surtout qui décide de mettre Saint-Gabriel, région métropolitaine Port-au-Prince en otage depuis environ 2 à 3 l'année. En pile débat fait, et jusqu'à présent, la primature n'a pas réagi. Jusqu'à présent, Andy, direction générale de la police, n'a pas réagi. Jusqu'à présent, il y a un conseil présidentiel transition qui lui-même tout pour réagir face à la situation. Ça. Est-ce que M. Ogis, comme si ignorait sa crivée, hein? Alors que l'image visible, vidéo sur tout réseau, hein? Moun ap gade image, moun ap gade vidéo, il y a comment que bagala était très difficile et officier était en difficulté, policier était en difficulté et PM était en difficulté. Est-ce que Nexio et autorité concernée, y a prêté ou pas aucune explication après ça qui finit arrivé? Hein? Et l'ap gade pour nous dire que, est-ce que jusqu'à présent, l'hôpital général, bien que ça ait combien de semaines que l'autorité dit que yo reprend contrôle l'hôpital général et PM Garikoni lui-même dans visite ça qu'il t'a réalisé pour une deuxième fois en deux dans l'hôpital général et dans moment visite ça, eh bien situation compliquée et bagaille mangoumen en dans l'hôpital général jusqu'à ce que messieurs dames yo ou bien policiers yo avec autorité qui là yo messieurs c'est pété couri, machine pété couri. Blende pété couri, ça dit qui ça, ça dit jusqu'à présent, mais autorité beaucoup paraît vraiment pour ta capable contre carré action gang yo. Dit clair, jusqu'à présent, autorité ou montre à clair que yo poko paré pour contre carré action gang yo en de pays en des Ivenes. Très bien, la situation d'après et rapport trimestriel Bureau intégré Nations Unies en Haïti, BUNI, publié, il fait quoi? C'est 73% et cas kidnapping qui fait en dedans pays, c'est dans le département de la Tibonite, ensemble, moun sa yo. Kidnappé, il fait quoi? Il y a plusieurs kidnappings qui fait dans la région métropolitaine Port-au-Prince, et il essaie de regarder Kafou à Grécier, et pour deuxième trimestre année 2024, là, Nations Unies, responsable Nations Unies, fait qu'on est, il y a un peu plus petit, et 1379 moun qui mourit et puis blessé dans le rapport ça, il y a cité exemple, 128 moun qui victime dans la zone Delma 24 à Solino et puis 233 l'autre monde qui pratiquement victime dans la commune Kafou à ta commune Grecier c'est en babal bandit ensemble monde ça yo rivé victime Blaise Peterson. C'est des situations qui paraissent extrêmement graves sous initiative association regroupement femmes paysans dans nord-ouest pays a un sitting te déroulé journée qui était lundi 29 juillet 2024 là devant direction départementale agricole nord-ouest dans objectif pour yo mandé avec autorité qui dans pire au niveau yo pour penser avec état situation que y a connait dans zone si là qui gagne pour avec question route que moun yo pa gagne pratiquement pour yo vaque avec activité yo. Insécurité toujours dans la Tibonite Blaise Peterson. Situation 24 fois plus difficile par rapport avec puissance bandit base gang griffio apprend dans niveau département malgré OK gain yon décret qui déclare état d'urgence sécuritaire et en dedans département qui pratiquement trois communes dans département la Tibonite mais ça pas empêché bandi base gang griffio dans plus territoire sorti sur route nationale numéro 1 hein, pour venir faire exaction sous population civile là capable traverser route nationale là une route nationale qui obligé abandonner à cause bandi yo. Alors que toujours dans la Tibonite sur route nationale numéro 1 dans localité Ponsondé yon marchanté organisé pendant journée lundi a contre insécurité pour demander autorité qui dans pire au niveau dans l'état dans recommande ba la police là pour porter moyens nécessaires by la police pour le cap opérationnel contre bandi gang griffio qui acheté département ça pour la jeune portion mais jusqu'à présent et autorité dans pire au niveau pas jamais tenté et n'a fait qu'on est que bandi base gang griffio t'ai l'ouvri coup de zam dans direction manifestant ça qui t'ai fait en pile dans yo t'ai gaï ça et là dans journée lundi pendant déroulement mouvement si là dans après-midi dans même lundi bandi base gang griffio fait plusieurs attaques dans 5 heures yo fait une attaque sous commissariat qui trouvait dans Pachoal sur route nationale numéro 1 toujours dans même lundi dans 11h du soir on l'autre attaque encore fait sous commissariat toujours dans Pachoal sur route nationale numéro 1 côté bandi base gang griffio a fait des forcing c'est pendant toute nuit là monde qui dans localité Ponsondé qui trouvait dans 5e section communale Semak hein t'a relé en moi t'a lancé cri d'alarme t'a lancé SOS pour te joindre secou tout monde qui à travers département qui cap goumé pour te venir faire une tête ensemble contre bandi gang griffio grâce avec monsieur Italio qui sorti dans cette dimanche estimé qui cause que bandi base gang griffio pas faire un bien descend dans
pensonné. Et ça n'a pas empêché plusieurs personnes de blessé. Et moun sa, c'est des gens qui prennent des balles perdues, qui courent à prendre soin, qui ont nécessité dans l'hôpital et Saint-Nicolas, dans la ville Saint-Marc. C'est des situations qui paraissent très, très drôles et tristes en pile. Et la population va se demander qui rôle Gary Conny après décret qu'elle définit sur TIA. Est-ce que c'était pour passer moun dans bêtise? Parce que Gary Conny, il pratiquement se fait face avec coup de zam bandit en bas la villa qui montrait que nek ak zam yo pas joué, qui montrait que nek ak zam yo pas pardonné, ou qui montrait que nek ak zam yo pas en question déposer les armes, respecter autorité de l'État. Pas que bagarre comme ça, bon nek yo dit c'est avec zam yo mouri dans mais yo, c'est à l'attaque y a mouri kounya. Est-ce que autorité qui dans la police qui dans mission multinationale là, est-ce qu'il a changé physique d'épaule? Est-ce que pratiquement attaquer bandit yo tout bon vrai? Ou bien yo pral réfléchir? Mais c'est que j'en dis, t'as qu'à dire, ça passait comme une lettre à la poste. Ça, mais c'est comme ça que M. Damien voulait faire. Il n'y a pas de dire rien. Il n'y a pas de côté précision sur ça qui passait. T'as ouais, un autre conjoint qui publié entre PNH là, avec mission multinationale là, il a fait quoi que le Premier ministre Gary Conny, pas dans une situation difficile. Selon ça, moi qui sorti. Bon, par contre, c'est l'authentique, mais mon bagage qui sorti, qui t'a dit que. Premier ministre pas en difficulté. Eh mais ça la ça sa vidéo té ya mais menti té. Écoute là, écoute là joye mais invention yo. Bon, kounya là ça n'a plus de comprendre. Pour qui raison? Dans qui optique? Monsieur dame yo dit, yo pas d'accord couverture médiatique dans espace côté yo. Yo ta entendre yo si média haïtien ou pas là te permet te gain ensemble image ça ou les personnes. Yo t'a arrangé yo. Yo t'a bafoué nous. Yo t'a dit nous pas de rien parce que nous pas t'a pour ça t'a déroulé en bas. C'est vrai. Journaliste besoin très prudent pour parler victime la situation en bas mais ni policier ni nèg exam yo pour yo apprendre que c'est pas yo qui doit information. Tant pour gain nous gain un frère qui dans Amérique Info 7 qui écrit et qui fait un tweet. Il dit si pas de présence journaliste dans moment visite Premier ministre Gary Conny dans l'hôpital général lundi 29 juillet 2024 là chef police là t'a dit et c'est péta ou bien fait d'artifice qui t'a pété dans parage l'hôpital là pendant chef gouvernement t'es sur route pour te quitter espace là côté bien présence plusieurs médias étrangers parmi eux CNN non et dans une note qu'elle fait sortir tout dans assoir après incident qui finit passé là chef police là non Milramo dit toute bagaille t'es sous contrôle dans zone l'hôpital général lui fait qu'on est tout. Et deux coups de balle seulement qui t'est pété pendant PM là t'a sorti. Li dit numéro 1 gouvernement t'est quitté espace là sans aucune difficulté à cadre à 2000 dans poche li. Monsieur Rameau fait qu'on est tout et pas gain aucun monde dans délégation qui même grafouin, li fini pour le dit la police t'est tout profité mettez la paix dans toute zone là après ça t'est fini passé. C'est ça qui sorti dans une note conjoint entre mission multinationale là. Comme li pa gen sou la dan, ça nous a li pa gen sou. Bon oui, li capable tractation, il capable oui. Nous parler pour tractation, mais toutefois que ça, il ta authentique. C'est ta direction générale la police qui sortil. C'est ta Godfrey Otunga qui d'accord si on bagaille comme ça, qui d'accord mettre bagaille comme ça d'yo, laisse ça la permettre que population ouais tout en bas bouda nèg yo, ouais dans séance à penser, pas gen très sérieux que nèg doit régler dans ça qui gen pour avec question sécurité, c'est bluff qui a vinn bay. Ouais question sécurité blaze. Il n'y a pas de bluff là-dedans. De quoi by bluff sans question de sécurité ou à victime. Et c'est ça qui a privé le Premier ministre Gary Conny là. C'est parce qu'il est tombé sous bluff, il est tombé sous palampile, au lieu qu'il agit contre Badio, et bien Badio a agi contre lui-même. Songez pas avec une fonte de vidéo, il te dit, t'es bon docteur, t'es bon premier docteur, t'es couru le bouquet, il t'a annoncé que Gary Conny prend le bouquet. Sans doute, l'exercice a commencé avec Gary Conny pour montrer qu'il prend le bouquet, tout bon vrai, suite avec ça qui est là. L'autre information de la situation. T'as semblé que l'ambassade américaine prend décision pour bloquer visa temporaire trois conseillers présidentiels qui critiquaient comme droit long supérieur qui t'a mis en bagagan président conseil d'administration BNCA pour te prendre l'argent en mer. Kounia, est-ce que c'est bloquer visa tout simplement que t'a donné comme sentence si toute vérification faite que ouais hein? Il y aurait pratiquement que monsieur dame ça yo monsieur yo, disons yo complice dans scandale là qui ça aura pour faire encore qu'on y a attendé des avocats des hommes de loi qui a dit oh monsieur yo, c'est vos commis de l'état yo pas casser ci yo pas casser là il a regardé toute bagaille il a regardé toute bagaille mais il a oublié que nous gon pays qui dans l'impasse nous gon pays qui trouvé dans situation difficile
yo besoin fouer ben toute longueur tout côté au vle tout côté au pito tant que yo faire déjà et c'est pas première fois que nèg yo a dans gros l'argent pour nommer ensemble directeur ça directeur général dans ministère non dans ministère pardon c'est pas des gros l'argent que nèg yo a fait songez qu'un scandale qui annonçait que petite Dessalines vend ministère de l'agriculture pour question zanguia pour magro l'argent nous besoin chercher qu'on est pour continuer à informer les amis internautes qui ont regardé, Captain Diop, les personnes, nous allons discuter, nous allons analyser, beaucoup de parler ensemble pour ça. Bien que je dis à la décision, c'est que jusqu'à présent, l'âme capable de dire, et 12 ans après sa crivée, parce que tu as l'âme gagnant 24 ans, que sa crivée, je viens de dire 29 juillet à l'hôpital général, jusqu'à présent, l'autorité, à travers on dit l'État, la primature, la présidence, et direction générale de la police, il y a beaucoup j'aime dire, il y a beaucoup j'aime réagir, même à travers une note, à travers un communiqué saltaïen, pour t'a dit que, mais ça arrive bien que même l'on t'a démenti lui, même l'on t'a démenti sa criveillon, par rapport avec ça que imagio et vidéo nous-mêmes n'a pas gardé et nous, et nous n'a pas gardé là, et sur écran ensemble avec nous, mais quand même, par respect pour le pays, hein, par respect pour le peuple haïtien, hein, qui jusqu'à présent, comme si pas comprendre ce qui a passé là, et qui jusqu'à présent, ouais, que l'il loin, pour que question insécurité capable de résoudre, parce que si je dis là, il y a un premier ministre, il y a un DG de la police, avec différentes unités spécialisées, officier kenyan nèg yo tete kou chien fou fumi fou qui yo même gaillé tribo pabo a tiré tribo pabo en de l'hôpital général parce que bandi vivant sans yo te fait attaque sou yo et moun yo dit tete yo que si autorité qui se boit vet yo même y a courir pour bandi et qui dira pour yo même qui se boit sèche qui pa gen rien comme défense et ça montre que la vie jusqu'à présent li poko sou pour le reprend dans centre-ville pays d'Haïti. Ouais, beaucoup même aller plus loin, non? Mais zone Risset Honoré, Monseigneur Guillou, rue du Centre, rue de l'Enterrement, et rue Oswald Durand, rue Chareron, tout côté ça, yo, ça traduit après ça arrivé, je viens le 29 juillet, hein, la vie loin, loin, loin pour le reprendre dans zone ça, yo. Et l'hôpital général, j'en que autorité te dit que y aurait pris contrôle l'hôpital général, là, eh bien, les beaucoup j'aime sous plus capable de réouvrir et permettre que un dit médecin, infirmier, infirmière, un dit patient yo, personnel yo en de l'hôpital général pour que yo même y a le travail en de l'hôpital général. Est-ce que tout les que l'hôpital après recommencer à fonctionner, yo pral obligé mettre plusieurs blindés et quadriller espace non? Faut me poser question ça. Mais kounya, est-ce que c'est pas seulement devant l'hôpital général ou dis-moi est-ce que yo pral quadriller tout espace non? Mais et moun kap sorti bien loin yo pour venir prendre soin en de l'hôpital général parce que faut regarder ça parce que ou pas qu'à sécuriser seulement bâtiment et moun kap venir prendre soin yo. Et mon lèvre fin sur travail pour aller la caillou. Ou dis-moi, est-ce que lèvre fin prend soin pour aller la caillou? Qu'on a fait regarder. Est-ce que son sécurité qui est pour le mettre dans un espace qui est très limité? Ou dis-moi, est-ce que c'est travail pour établir sécurité dans tout pays pour que le monde capable de fonctionner et la vie capable de reprendre normalement? Et moi, te dis, dans l'émission que nous avons fait matin en Desibonès, nous continuons à dire que ça qui est là comme situation, insécurité, hein, que autorité, yo. Yo dégagé yo ces deux bagailles. Soit que dialogue que mandi a mandé ya, soit yo décide faire dialogue ça en mon gadi là en catimini. Yo fait dialogue ça avec yo en bas que moun pa konnen et puis moun wè que pa gen zam kap chante encore, moun ka circuler, pa konnen si ça y a fait. Ou di moi ce que yo prend deux décisions, yo prend responsable milité yo et pour permettre que yo rive établir sécurité dans le pays hein. Parce que tout ça n'a dit là n'a pas décrivé là yo mais yo rive en dedans état d'urgence sécuritaire que gouvernement décrété hein. OK tout ça qui rive là yo c'est en dedans état d'urgence sécuritaire que Gary Conny lui-même que il était déclaré dans date qui était 17 juillet hein. Et je dis hein, nous capable comprendre que bandio pas respecté état d'urgence sécuritaire là et bandio pas respecté soi-disant moun ki la comme des autorités. Désir en banque examiner salutation après ça pour capable aller dans la rue. Avant que nous aller directement, la situation faut qu'on montre que les États-Unis pratiquement a passé pays d'Haïti dans tête qui tout quel là et dans ça qui est pour avec problème insécurité là et malheureusement pendant il a offert gros moyens à gros l'argent avec des pays et nous-mêmes il y a ban nous dialogue kembe. Anthony Blinken annoncé que États-Unis pral bail et Philippines 500 millions de dollars qui c'est aide militaire. Qui ça empêcher
ensemble de ça y a bail comme aide yo yo toujours conditionné yo c'est la police qui a bail yo yo pas bail avec police avec militaire force armée d'Haïti pour que ça c'est pas ça yo fait et malheureusement qu'aux jeunes on pas qu'être sous hommes qui pratiquent dans l'état qui viennent comme président qui viennent comme premier ministre qui pas comme droit yo OK qui pas comme qui ça l'armée vaut dans pays yo yo pratiquent au croiser bras pour faire les États-Unis plaisir. Et tout ça, ça va être passé en dedans pays là, c'est conséquence d'écraser l'armée. C'est conséquence bataille pour pas gagner l'armée en dedans pays là. En tout cas, vous pas gagner l'armée, vous venez rester en champ libre pour tout le monde, vous venez faire tout ça qui a fait là, je veux dire, et président, premier ministre, directeur général, ministre et peuple là à payer ça avec le TFA pour écraser l'armée. Donc, on dit, les personnes, nous pouvons passer dans salutation pour passer quelques examens. Nous saluer James Love Destin, première fois qu'il nous a commenté. Il semble pas dans le pays à lui-même. Il dit, il y a envie de vivre dans le pays parce que les bagages semblent difficiles. Et nous saluer Janine Petit-Homme, qui pas jamais pas prier pour nous et qui dit que bon Dieu bénit nous et nous recevoir et nous croyons bon Dieu à bénir nous pour faire continuer à faire travail ici là. Nous, big up Fritzner, les sources qui est toujours avec nous et qui dit qu'elle est d'accord avec Blaise parce que nous avons besoin de justice en dedans pays. Et bien, continuer à parler ou même pour qu'il y ait une justice, quel que soit le côté trouvé, on l'a toujours dit pour venir la carrière dans le pays d'Haïti. Nous saluons Wilson Boussico qui est toujours avec nous, qui salue nous, qui dit nous merci pour le bel travail qu'il a fait dans la communauté haïtienne. Merci Boussico d'avoir continué à travailler chaque jour pour rendre nous sentir plus confortable dans le travail qu'il a offert et à travers les médias. Nous saluons également Roselyne Metelich qui dit nous et bon travail qu'elle est d'accord avec nous. Nous saluons également Zami Sayo qui pratique pas j'en parle avec nous, Marie-Jasmin, Marie-Nosifor, Marie-Zana Xavier, Fondation Chris Capable, et Janine Petit-Homme, Immaculée Lafleur, qui est toujours là, Immaculée Vénus, qui est toujours en chaîne, nous disons merci, merci en pile. Franti Mesidor, merci pour et participation, merci pour commentaire que vous avez quitté dans l'émission nous matin. Nous saluons Youjuna, Joseph, qui bat bravo, qui félicite pour le travail nous, Alvarez Dossou, merci en pile, parce que pas jamais raté une émission nous, et Nino TV, big up pour mon frère, parce que toujours avec nous. Denis Wilda, qui est toujours en chaîne, nous dit merci en pile, ça fait un grand plaisir. Content ouais que vous pas jamais lagué nous. Nous saluons Nicole Diverger, qui est toujours en chaîne. Nous dit Nicole, merci en pile. Marie-France Elmoniz, merci pour écouter. Merci pour fidélité avec plateforme Mesac Nouvelle, Blaise Info, Pain Nouvelle, Votre Calbasse Info, Racine Nouvelle Haïti. Nimo Jean-Charles, qui toujours tandem, garden en famille. Nous saluons toute famille, nous vous remercions en pile. Esdras Idam, merci parce que vous remarquez que nous faisons un travail pour nous saluer sous les oies. Vous voyez les pour nous. Nous saluons Esther Rimil. Merci et parce que estimez l'information que nous baillons, vous dites merci pour vous et nous retournons salutations en bas où nous disons merci en pile tout parce que vous faites choix, mais ça nouvelle pour informer. Nous saluons Zilo Jean, merci Zilo Jean, nous comptons ou là parce que WAP suivent nous, nous tournons salutations en bas où. Raphaël Saint-Ville, 11 ans, il est vieille date, qui n'a pas ouvert, qui nous commenté et il était disparu sur nous, il retourne la Cali, nous disons merci en pile parce que vous retournez la Cali, mon frère. N'a pas continué avec un ami, nous saluons Romanes Laguerre qui toujours bien merci Romanes la guerre, ça fait un grand plaisir parce que vous suivez et mettez cette nouvelle, les infos pour les nouvelles, votre calbasse info, Racine Nouvelle Haïti. Jean-Baptiste Ferville, merci mon frère, parce que vous d'accord avec l'analyse nous yo qui n'a fait dans ensemble émission qui n'a fait là, qui permet que vous compreniez plus bien ça qui a passé en dedans pays. C'est une mission ça qu'on ban nous et vous mettez continuer quoi dans nous, on a continué servir. Dicamel et Dicamel et Clermont, merci Dicamel et Clermont, ça fait un grand plaisir, nous comptons, ouais, vous toujours avec nous, et merci pour réaction dans quatre émissions qui ont été gagnées pour matin. Chekina, qui retourne dans Kaili pour venir commenter, pour venir analyser, pour venir parler dans l'espace commentaire, nous disons merci à pile parce que lui toujours avec nous, nous saluons Camille, Espérance qui toujours avec nous, Blaise Peterson lui-même, c'est Paris qui est le branché, nous disons merci à pile dans la capitale française, c'est là qu'il est lui-même, nous saluons Pouchon Charles qui toujours avec nous, ça fait un grand plaisir, nous comptons, ouais, que vous quittez commentaire en cadre émission nous, nous saluons Webster, Bonaparte qui pas jamais pas avec nous, ça fait un grand plaisir. Merci pour écoute, merci pour commentaire que vous quittez dans quatre émissions qui ont été gagnées. Pour matin, nous saluons Donald Ménard qui est toujours avec nous, nous dit merci en pile. Nous saluons mon Suisse Bellevue qui est toujours avec nous, les suitations. Voilà, c'est ensemble, amis, ça aucun été de prendre. Pour nous te big up dans quatre émissions, c'est là, toutes les amis qui, pour qu'à quitter les commentaires, nous pas guetter arrivé sous, nous garantissons dans l'autre émission qui va venir après, n'a pas été salutation pour la boue. Restez fidèles avec ensemble, plateforme ça pour que vous informez. D'accord, des Evenes, on va aller avec un collaborateur, nous Fred Kelito Banat, qui lui-même avec nous. Et c'est vrai que nous connaissons, pour nous, nous aller directement pour nous connaître. Comment champ de masse a levé pour matin et comment zone anda dit l'hôpital général a levé après sa crivé et je ne qu'il lundi 29 juillet. Hein? Kelito, comment est-ce que bonsoir Blaise, bonsoir les Venesse, bonsoir chaque monde qui déjà approché mais cette nouvelle. Son plaisir, Blaise, pour informer mon nom comment un bon dans la capitale lui-même.
li levé pour matin. À fond du matin, Gambon et Blaise environ 9h, nous avons constaté plusieurs nouveaux blindés qui gagnent. Nous sommes capables de dire monsieur Kenya, mais tu as fait va-et-vient dans différents axes en bas la villa. Nous en bas la villa dans la zone Borchan, Massa, Lord de Saint-Richan, Massa de Kazena, pour l'hôpital général, Machinsa, même que tu as fait aller-vini. Mais Fondi, jusqu'à présent, il y a toujours à faire aller-vini. Ça aura aller monter bon triomphe, descendre dans la rue Pavia, descendre dans la rue de Kazena, passer Richan, Massa. Alvire bon l'hôpital général il veut bon lycée Toussaint pour aller monter encore mais faut dire pendant tout va bien ça au blesse pas gain détonation pas aucun tir nous tendez pendant machine ça même il a fait aller venir dans zone cela au blesse ça ça veut dire pour matin là et nous capable dire que et officier kenyan mélange avec policier dans dans nouveau chablendeo nèg a sillonné en disant je saute dans la diverse rue ça yo mais pas sans difficulté même sans difficulté avait dit que pas gain détonation cap sorti ni bon côté et force de l'ordre et ni bon côté en dadi direction côté bandi yo même a opéré yo ben contrôlé yo tout à fait blesse pas gain aucune détonation pas gain affrontement ça ça même qui a fait aller venir dans différentes zones ça nous c'était là jusqu'à présent pour qu'on la gain on cap passer monter là dans rue chaîne masse pour arriver bon triomphe là. Et le fond du blesse, les a passé comme ça, il a passé par pile, c'est 4 ou bien 5 autres joueurs qui marchaient ensemble, qui différents débats aux policiers, aux chats. Ça, même, sous les gangs qui sont en train de se faire, 3 ou bien 4 encore qui positionnent chaque côté différent d'un nouveau chat qui gagne, monsieur, qui n'y a pas de nom de ce. Ça, ouais, c'est le nouveau chat blindé. Go, chat, go, bye, chat, M-Rap. Ou ça jaune plus gen ti plus gen plusieurs ti nouveau chat noir ti nouveau chat noir gen plusieurs là de retour qui a fait aller venir mais c'est plus gauche à jaune qui plus dans la rue à la blaise. Mais kounya la kelito puisque c'est vous regarder comment rale mené venir fait avec un nouveau chat blindé ça dans zone ça yo mais kounya et comment si, c'est vous ou pas nous pas trop arriver en bas de l'hôpital général mais kounya l'regarder à distance comment ouais comme si en bas ça en parlant de ça tout est-ce que question nettoyage j'aime pas dire dans zone ça non mais est-ce que question nettoyage aller même tout ils font camper ou bien la bra aussi avec côté avec situation qui a développé dans zone ça yo. Pour matin là nous pas remarquer aucun monde en qui connait dans nettoyer jo surtout magali habitant nous pas remarquer malgré les policiers pas voulu nous arriver mais nous tenter quand même passer route dedans pour arriver de tout près l'hôpital et bon que stade là pour dire comment ça est dans zone ça blanche personne dans ça retourner blanche encore pas aucune activité nettoyage qu'a fait dans zone ça pour aujourd'hui là nous pas connait est-ce que sont posés au prend ou bien y a tourner nous pas connait mais pour aujourd'hui à la blanche nous pas remarquer présence monde ça dans la rue là surtout dans zone ça quitter les zones, mon yote plus ciblé pour te nettoyer. Mais bam dou ça tout non. Est-ce que nan moment et j'en ai dit, est-ce que comme si là ou ouais t'as gagné et on dit l'aurait été à distance pour garder zone en bas de l'hôpital général, on dit que est-ce que ou pas ouais en rien en termes ouais barrière fermée à distance ou ouais comme si pas vraiment gagné rien cap bas en bas. Non, bah, il y a l'hôpital là, t'es déjà crasé, depuis dans le premier mouvement, yo, bah, il y a déjà crasé, par rapport avec monsieur qui fait Mandel, là, t'es chali, même, pour t'es qu'à contrôler Mandel, t'es obligé de craser, bah, il y a ça toujours été en rien pour qu'on fait Mandel, blaise, même nettoyage pour qu'on fait, c'est des vaillots, yo, t'as fait nettoyage, mais en rien pour qu'on fait dans l'hôpital là. Mais, qu'on y a là, on regarde ça, toi, avec Okelito. Et à côté de Chablin de Café Capsillonné, différents Chablin de Capsillonné, tout est en 10 périmètres de Maslan, zone et bon l'hôpital général, zone bon statistique 14 ou 10 presque. Mais est-ce que, comme tu as dit là, l'autre activité cap qu'on a fait sur chaîne Maslan, comment ça a eu même? Mais pour chaîne Massa, chaîne Massa, on a qui vraiment calme, en pile monde chita sur chaîne Massa. On constate en pile de machine, monsieur Okaba prend mon conduit, en pile chauffeur moto, en pile de machine, déjà répond présent sur chaîne Massa. Et tout soit gardé dans la ligne de triomphe pour descendre de DDO. Il y a un lot de camions qui toujours attendent plusieurs chars pour passer dans le moment là qui campe. Captain Charo vient derrière même pour permettre de passer dans la région de Mass pour descendre pour soir qui peut aller sa cap descendre un bien dans CPS là qui c'est ancien pour la fito à blesse personne. Et camion comme ce camion by marchandise disons. Oui, tout à fait, c'est camion marchandise qui toujours passer là parce que monsieur, yo connait détourner camion ça dans le ministère intérieur surtout les petits chars par là. C'est les petits chars qui pour permettre machine ça même de passer dans zone là. On avance ici parce que moi, j'ai des questions avec Kelito à côté du parcours que lui fait, qu'il me regarde ensemble avec lui. Très bien. Et Kelito, dans ce parcours que vous essayez de garder pour matin, qui j'en ouais ambiance là par rapport avec le scandale qui était gagné dans Port-au-Prince ailleurs, surtout dans la zone l'hôpital général, qui j'en ouais tendance dans l'espace que vous passez? Kelito?
Blaise. Vous pas attendre question Désir, non? Non, je vais faire une question, non? Et Désir, c'est comme ça, comment que, après ça fini veiller, hein? Comment est l'ambiance dans presque tout périmètre de cette ville, non? Et après ça fini veiller, comme si l'aime dit, en termes d'activité, soit circulation, et bien soit aussi machin qui a dégagé, quelque part, comment est l'ambiance dans comment est ça? Pas seulement chaîne masse, mais toute zone, tout le périmètre de chaîne masse, non? Donc pour zone côté action t'est passé à l'aéroport que j'aime bien la vite en zone ça qui pour rien monde c'est pas rapport avec nettoyage là mais beaucoup dans la zone ça même vraiment vraiment blessé quelques grands chakis même qui toujours a fait va venir dans zone ça mais pour en les champs de masse toujours gain plein marchand et on parler des champs de masse faut préciser bien c'est place construction avec place qui gain kiosque là ensemble avec place papa des salines seulement c'est place ça seulement qui gain monde sur l'on prend place des artistes l'on prend place pompier et ben yo pas d'accord mon chita sur yo pour permettre police eux même yo gain contrôle zone ça surtout là on est si monsieur vivant ensemble à mouvement yo tétan mais pour monsieur pompier pas d'accord mon chita sur place ça pour empêcher eux même yo gain contrôle périmètre la blaise allez voir dans les ici très bien et pour kounia après avant de arriver dans espace côté ou parler nous là yo et dans zone chat bassin sans doute que on ensemble espace que ensemble côté que vous t'est passé ou t'est ouais et ça qui vient comme information que vous cap partager avec nous pour te démarrer par nous. Il faut mentionner ça avant même tout. Il faut féliciter la police bon, pour bon travail. Il commence tant mieux. On a une nouvelle stratégie de situation pour permettre mm-hmm. pour comment on va faire la vie, reprendre différents axes. Et depuis hier soir, dans la zone Kafoudou, il y a pour descendre 9 ténois. Il y a environ 8 tichats dans nouveau chariot qui te fait nuit dans la situation. Tu avais un jeune garçon qui n'a mauvaise affaire pour qui empêcher surtout le monde de traverser dans la zone Sayo. Monsieur Sayo qui allait avec.